Bonjour à tous, on va faire un autre tuto sur le freinage à patin. Cette fois-ci, c'est comment entretenir la piste de frottement. Donc, on peut utiliser plusieurs produits, comme là de l'alcool isopropylique ou du nettoyant frein. Et on peut avoir besoin parfois d'une petite gomme, spécialement pour entretenir les pistes de frottement. Donc, le but, ça va être de nettoyer cette piste de frottement-là, sur lequel le patin va agir. Sur ce vélo là, c'est relativement propre, donc on n'aura pas besoin d'utiliser la gomme. La gomme, c'est surtout si vous avez des traces très noires qu'on n'arrive pas à enlever. Donc on prend de l'alcool isopropylique ou autre chose, donc le nettoyant frein, et on vient bien nettoyer. Voilà, c'est pas trop sale, mais on vient bien nettoyer toute la piste de frottement. Donc on aura une meilleure efficacité du patin sur la piste de frottement. Voilà, donc là, quand même un petit peu à enlever. Donc vous faites bien ça sur les quatre côtés. Et voilà pour aujourd'hui.